Regarde, entre les deux, tu préfères laquelle? Alors, il faut savoir que Timo, entre une paire de ciseaux à 1,49€ et une paire de ciseaux à 3,49€, il va toujours se diriger vers la paire de ciseaux à 3,49€. Hein. Radin malin, c'est un concept qu'il ne maîtrise pas encore. Hein. Tu veux ceux-là? Tu veux les lapins crétins à 3,49€? Ou tu veux les basiques maped à 1,49€? Avant la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter et t'abonner. Et surtout, à cliquer sur la cloche et regarder la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux que ton nom apparaisse dans le carré magique d'une prochaine vidéo. Peace! On va acheter toutes les affaires pour la rentrée des classes au CP. Ah ouais, il va falloir acheter tous les cahiers, tous les stylos, tous les feutres. Tout ça. Donc on va choisir. On y va? Oui. Let's go. C'est là. Et bah c'est toi. Et il faut choisir les trucs qui sont sur la liste. Allez, viens, on y va. Tu vois l'espèce de petit sac dans lequel on a rangé tous tes jouets Kinder? Et bah ça s'appelle une trousse. Vous voyez quelque chose? Ah bah regarde, tiens, regarde des trousses, il y en a ici. Viens, je te montre. Ça, regarde. Ça, c'est des trousses. Toi, ça, c'est une trousse. Là, t'as. Mickey. Ça, c'est une trousse. Je veux une trousse Mickey. Une trousse Mickey? Mais regarde aussi les autres trousses qu'il y a, parce que peut-être que tu vas trouver une autre trousse un petit peu mieux. Là, t'as une trousse Bart Simpson. Tu connais Bart Simpson? Bart Simpson. Là, t'as la trousse du PSG. Avec Mbappé, Neymar. C'est pour ceux qui aiment bien jouer au foot. Sinon, il y a des trousses de couleurs là. Toi, tu pars sur une trousse Mickey, toi. Hein? Tu veux une trousse Mickey? Bah, réponds. Oui. Oui, non, peut-être? Oui. Ok, bah, mets-la dans le caddie. Alors. Il veut une trousse Mickey. Ça veut pas très CP, tu veux? Bah, en même temps, il est petit, hein. Il a le droit. Hein. Cinq stylos à billes bleues et deux stylos à billes vert. Des stylos billes. Ah, t'as le choix. Ah bah tiens, regarde, c'est là-bas des stylos billes. Viens, je te montre ce que c'est. Des stylos billes, c'est ça. Timéo. Ça, c'est des stylos billes. Et tu vas en avoir besoin à l'école. Prends-en. Un paquet. Oui, ça. Bon. Ah, bravo. Ou sinon, il y a ceux-là. Tiens, ceux-là, ils sont mieux parce que là, il y a plus de couleurs et il y a deux verts. On va prendre ceux-là plutôt. Il n'y a pas de vert. Si, regarde, il y a deux stylos verts. Sur les autres. Bah oui, c'est des stylos verts. Prends ça. Ensuite, what is next? De préférence de marque Bic Evolution. Bien sûr. 15 crayons de papier de préférence de marque Bic Evolution, oui bien sûr. Marque Faber-Castell aussi, tant qu'ils y sont. Viens, faut chercher des crayons de papier, Titi. Titi, faut chercher des crayons de papier. C'est ce que c'est un crayon de papier? C'est un crayon gris. Un crayon gris? Bah alors, vas-y, essaye de trouver. Regarde si t'en trouves. Les crayons de papier, ils sont ici. Pardon. C'est le crayon de papier, ça? T'as vu qu'il y avait plein de trucs, mais regarde. Hein? Il y a plein de trucs. C'est des crayons de papier, ça, ou quoi? Crayon avec gomme. Ok, bah tu peux les mettre dans le caddie. Regarde. Si tu préfères une trousse comme ça plutôt que la trousse Mickey, là il y a des trousses Avenger. Mais t'as le droit de choisir qu'une seule trousse, alors choisis bien. Bon gars, là c'est une trousse Avengers, avec tous les Avengers. On montre aux amis. Tu préfères celle-là ou la Mickey? Mickey. Mickey? Ok, bon on garde la Mickey alors. On va demander à maman c'est quoi la suite. C'est quoi la suite? 5
5 gommes blanches. Ah bah, tu sais ce que c'est une gomme? Eh bien, c'est ça. C'est blanc. C'est ça une gomme. Tiens. C'est une gomme comment? Bah, c'est une gomme blanche. Bon, bah, ils les vendent pas par paquet de 5, alors on va en prendre 4. Voilà. Ensuite, quoi la suite? De taille crayon avec réservoir. D'accord. Bon, alors les tailles crayons avec réservoir, Titi, c'est ça. C'est des tailles crayons. Le sans Titi et ses goûts de luxe, on va prendre le plus cher. Un taille crayon à 17,50€, s'il vous plaît. C'est un taille crayon comme ça. Comme ça, t'as pris le premier que t'as vu au pif? Regarde, il y en a d'autres. Hein. Là, moi, honnêtement, en plus, celui-là, il est pas trop cher, mais il est pas trop beau non plus. Moi, je préférais celui-là. Il y a un lapin. Ouais. Moi, perso, je préférais la grenouille. Regarde. Ah, celui-là, il est marrant. C'est quoi, c'est une... Celui-là, est marrant. C'est un espèce de petit monstre. C'est un squelette. Maman, c'est un squelette. Ouais, c'est un petit monstre gentil. Il y en a plein, il y a... Ouais, parce que celui que t'as pris, honnêtement, il est un petit peu moche. On a des mieux, Titi. Mmh. Toi aussi, un petit bonhomme. Ils sont mieux. C'est rigolo. Ça, tu peux prendre celui-là, ou tu peux prendre celui-là, ou... Le jaune. Celui-là, le jaune. Oui. Ok. Tu préfères le monstre ou la grenouille? Le monstre. Le monstre. Ah. Bah, vas-y, mets-le dans le caddie, là. Ah, maman, la suite? Avec réservoir. Ouais, on va peut-être partir sur un pour l'instant. Puis... Une ardoise blanche effaçable, type Velleda et un chiffon. Ah, il faut une ardoise. Let's go. Une ardoise? Ouais. C'est regarde. Une réservoir. C'est là-bas, je me rappelle bien. Il y a un moment sur ta liste, il n'y a pas de la colle. Parce que là, on est devant la colle. C'est à côté de la colle, là. Ouais, je pense qu'il y a de la colle, non, à un moment. Ça, c'est un basique, un fondamental. Oui, non. Moi, je suis persuadé qu'il lui faudra de la colle. Donc tiens, Titi, prends de la colle blanche. Titi, prends un truc de colle. Attention à Kadi. Vas-y, mets-le dedans. Une ardoise blanche, c'est pas ça. Ok, c'est parti. C'est là-bas, Titi. Une ardoise, tu sais ce que c'est? C'est pour écrire dessus. Il y a ça, c'est des ardoises. Là. Après, il n'y a pas trop le choix. Il en faut une, effaçable. Ça. Je préfère que là. Ça. Bah, celle-là, elle est un peu rose. Ça, elle est violette. Incassable. À mon avis, pour casser une ardoise, il faut y aller. Choisis, regarde, t'as celle-là, celle-là en vert, ou en violet devant toi. Bleu. Tu vois bleu? Regarde, t'as le choix entre bleu, vert ou violet. Bleu. Prends bleu? Ok, bah on va d'un produit. Timmy. Ah ouais. Ah ouais, c'est Timmy comme sur Amazon Prime. Ouais. Est-ce que c'est Timmy 3 là? Peut-être, ouais. Timmy, c'est Timmy. C'est protège-livre. Protège-livre. Des ciseaux à bois. Where the heck is them scissors? Ah regarde, tiens, il y a plein de ciseaux à bois là. T'es laissé devant toi. Mais on a 50 000. C'est quoi ça? C'est le ciseau lapin crétin. Alors faut savoir que Timo entre une paire de ciseaux à 1,49€ et une paire de ciseaux à 3,49€. Il va toujours se diriger vers la paire de ciseaux à 3,49€. Dans malin, c'est un concept qu'il ne maîtrise pas encore. Hein. Tu veux celui-là? Tu veux les lapins crétins à 3,49€?
Ou tu veux les basiques MAPED à 1,49€. Si tu veux ceux-là, prends-les. Hein. Ouais, ça. Ok, vas-y. Une règle plate de 20 cm. Une règle. En plastique, vieux. Ouais, bah alors les règles, c'est ici. On a pas beaucoup à chercher. Là, t'as toutes les règles et il faut une règle de 20 cm. Là, je pense que je vais t'aider un peu parce que 20 cm, je sais pas si tu vas réussir à estimer ce que c'est. Et là, 20 cm. Alors, t'as le choix entre une règle verte ou une règle bleue. Ou une règle grise un peu moche. Ou une règle de toute bonne taille. Il vaut mieux le faire avec un support comme ça. Ouais, moi je pense ouais. Tu m'as choisi. Laquelle? Celle-ci? Oui. Ok. Tiens. Dans le caddie. Une de caddie. Une pochette de feutre à grosse mine. Des feutres à grosse mine. Et une pochette de crème de couleur à grosse mine. Ah ok, donc il te faut des feutres et des crayons de couleur. Ça tombe bien, on n'a pas non plus à crapahuter longtemps pour les trouver. C'est là. Ouais, après crayons de couleur, c'est crayons de couleur. Des feutres à grosse mine, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ah, feutres pointe large. Donc c'est ça en fait, c'est des feutres à pointe large. Des feutres à grosse mine. Les feutres à pointe à grosse mine, ça c'est marqué dans ton dans ta liste. Il faut ça. Attends voir, attends, il y en a combien? Parce que sinon il y a ceux-là qui en a pas mal. Ah ceux-là ils sont pas mal. Il y a 8. Et là il y en a un peu plus, je pense ceux-là ils sont mieux. Ceux-là, ouais. C'est pour ça qu'ils disaient, je pense, deux trousses. Une pour mettre les trucs et une pour acheter les trucs. Ouais. Et une pochette de crayons. Crayon à grosse mine. Après, écran de couleur, c'est l'écran de couleur, tu tiens. Abuse pas, t'as les mêmes à côté à 3,49, toi tu prends 5,29. Seriously. Prends celui-ci. C'est dans tous les cas, tu vas pas les ranger. Tu vas les ranger dans une trousse, c'est crème de couleur. Donc on s'en fiche de la boîte en fer. C'est crème de couleur. Pochette plastique. Ah bah regarde, là c'est le paradis de la pochette plastique. Ouais, t'as tout ce qu'il faut. Toutes les couleurs, toutes les gammes, toutes les options. Prends celle... Ouais. Prends celle que tu veux. Ah, bah tiens, regarde, il y a un magnifique lot de 3 là. Quelle couleur tu veux? Il y a ça, mais il y a du rose, alors je sais pas si. Là, on est en train de se faire attaquer par une gif là. En live and direct. On risque notre vie pour cette vidéo, les amis. Bleu. Pochette encore les bleus. Ok, bah vas-y, mets-la dans le caddie. Celle-là, là, où il y a les rabats comme ça, avec les trois couleurs comme ça, ou tu préfères des comme ça? C'est toi qui choisis. Ça. Celle-là? Oui. Donc tu reposes l'orange. C'était ici, ouais. Vas-y, mets-la dedans. Voilà, c'est quoi la suite? 96 pages, petit format à grand carreau. Ok, 96 pages. Petit format. C'est précis. 17x22 à grand carreau, 90 grammes. Couverture en polypropylène de couleur orange. Fabriqué. De couleur orange. Fabriqué en Azerbaïdjan, de préférence un samedi matin pluvieux. Allez. On va chercher des cahiers, des petits cahiers. Regarde. Bah, un cahier, c'est là où tu vas écrire avec tous tes superbes stylos. Oh, elle est belle la coupe. C'est des trous de bouteille. Salut Timéo. Ouais, c'est pas vrai. Allez Timéo. Il me faut un petit cahier. Un cahier 96 pages, c'est ceci, Titi. Titi, je veux que tu prennes un petit cahier comme ça.
Ah, tu veux le jaune? C'est orange. Comment ça orange? C'est marqué. Pardon. Par contre, ne commence pas à détériorer le cahier. Tu vas devoir t'en servir toute l'année. Alors, la suite, c'est quoi? Un cahier 96 pages, petit format, à grands carreaux, pareil, mais en couleur verte. Donc, tu vas choisir un autre que jaune. Il en faut deux. Donc, tu as blanc, violet, rouge, bleu. Ok. Jaune et bleu. Ah, jaune et bleu. C'est parfait. Ensuite? Un cahier de texte, pas d'agenda, avec des lignes bien visibles. Un cahier de texte. Ok, bon, bah, on va chercher un cahier de texte. On dit un cahier de texte et pas d'agenda. C'est ce que c'est un cahier de texte? C'est pour marquer tes devoirs. Regarde, il y en a ici, là, je crois. Viens voir. Ça, c'est des agendas. Un cahier de texte, c'est ici. Alors, t'as le choix entre un zèbre, un pingouin, un mignon. Sinon, t'as des chiens en haut. Si tu te recules un peu, tu verras tout. Hein. Tu veux quoi? Tu as un chien? Oui. Celui-là? Non, on n'a pas encore celui-là. Tu es sûr? Sinon, regarde, tu peux avoir un panda. Il est pas plus beau, le panda? Il est mignon, le panda. Non? Ou un pingouin. Ou un pingouin, parce qu'il est un peu tristoun, ton chien. Quoi? Il est pas terrible, hein, ton cahier de texte. Ou sinon, t'as celui-là? Non. Celui-là? Regarde, celui-là, il est rigolo. Parce que celui qui l'a pris, ça fait fille aussi. Un chien. Deux gros chiens. Max et Duc. Tu veux celui-là? Non. Il est rigolo? Ouais. C'est un mot. Il est un peu mieux. Il est mieux, ouais. Ah, celui que t'as pris, ça fait un peu petite fille. Non, tu veux le chien là? On garde le chien. Ok, bon, on garde le chien. Fais une vidéo de course. Fais une vidéo de chasse aux fournitures scolaires. Pour acheter tout le matériel pour la rentrée. Quoi? C'est des pétards pour le 14 juillet. T'as fait du bruit en fait. C'est des pétards de monstres. Pétards de monstres? C'est des pétards. Tiens, tu peux. Achète ton petit boîte comme ça, c'est bien. Tu ça veux que je achète des pétards? Bah oui. C'est pour le 14 juillet, ça fait du bruit. Allez, viens, on va chercher maman. Tu vas trouver. Non, c'est pour la maison. Le pétard. C'est pour le 14 juillet. C'est pour le 14 juillet. Ah, c'est un sac d'école, là. Ah, là, c'est le plus important. Les choses sérieuses hein. Commencent. Ah ouais. Let's go! Let's go, ma poêle! Let's go! C'est quoi? C'est pour moi? Ouais, on va mettre dans le caddie si tu veux. Stylet! 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 Elle est où la trousse Timéo? T'en vas pas trop vite parce que sinon j'arrive pas à lire. Allez, Meno! Ah, y'a pas de trousse Timéo! Alors, let's go chercher un sac. Parce que là maintenant c'est fini les sacs de petits. Les sacs pour la maternelle. Maintenant c'est un vrai sac pour le CP. Tu dis, regarde. Tous les sacs qui sont là. C'est des grands. C'est des grands. Des grands. Des grands sacs. Bah viens, ils sont un peu grands pour toi ceux-là. On va regarder à côté. C'est pour les plus grands. Mmh. Maman, ta papa, c'est ouais. Pour les plus grands. C'est pour les plus grands. Quoi? Et t'as vu qu'il y avait plein de pouces aussi ici? Ouais. Elles sont bien machin par contre. Ah ouais? Ouais, j'avoue. Ça donne pas envie de retourner à l'école. Hein. Il y a une Spider-Man hein, quand même. Ouais, la Spider-Man elle est bien. Tu préfères pas Spider-Man que Mickey? Spider-Man. Parce que je sais pas, Mickey ça fait jamais. Regarde, entre les deux, tu préfères laquelle? Spider-Man? Okay. On repose dans Mickey là. Ouais. On prend un Spider-Man. Ok. Pose ça, c'est là. Des sacs.
Tu veux quoi comme sac, Titi? Ça, c'est un sac ninja. Pas Ninjago, c'est Ninja. Côté à quoi? Un sac Spider-Man. Il y a quoi d'autre? Un sac avec des voitures. Sac à Spider-Man. Et un sac avec Mickey. Ou un sac avec Cars. Ou un sac avec les pyjamasques. Un sac avec Cars. Ok, mais viens, on va voir s'il va être assez grand pour mettre toutes tes affaires aussi. Tiens, ouvre-le. Du coup, Titi, tu veux quel sac? Le sac Cars, le sac Spider-Man ou un autre? Le sac Cars. Sac Cars? Ok, bah mets-le dans le caddie alors. Dans le mot pétard, on ne prononce pas le E.